groupe s'est formé en 2015. On a commencé les premières répétitions et puis très vite, en 2016, on est parti sur la route. Alors on a commencé à tourner pas mal, dans plein de parties du monde. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de former vraiment un groupe qu'on a appelé plus tard Delmas. Quelqu'un qui était un officier de Napoléon Bonaparte, il s'appelait Louis Delgrès. Il a un idéal de liberté, quelqu'un qui croit en ses convictions. On trouve que c'est une belle inspiration. Donc ça parle à la fois des choses très très fort internes et de ce qui nous entoure aussi. Mais je fais que de la musique. Et pareil pour Abdi, on fait que de la musique tous les trois. Jamais, j'ai fait des stages de découverte à l'école, mais non, j'ai tout de suite fait de la musique. C'est la chanson qui est devenue Mojodi. Elle décrit exactement le sacrifice de Louis Delgrès. Le moment où les Français ont attaqué, il dit dans cette chanson, je ne peux pas vous laisser faire, j'aime autant mourir aujourd'hui que de vous laisser remettre les chaînes au cou des gens et tout ça. Alors le plan, en fait, c'est tout simplement notre tourneur, notre agent qui nous a suggéré cet endroit. Et puis évidemment, on était ouvert à toute proposition, donc on est venu assez naturellement ici et on s'y sent super bien. Et l'équipement est top. C'est une surprise, effectivement, il faut venir à Ressourangis, je ne sais pas exactement quand est-ce que c'est, mais c'est début décembre, je crois. C'est de jouer avec les autres, c'est faire un truc très simple, mais sentir qu'on est ensemble. Je laisse les choses que je ne sais pas bien faire à d'autres personnes. Et c'est aussi un respect pour ceux qui l'ont vraiment, vraiment, vraiment pratiqué. C'était hier, là. Hier. Voilà, on vient vraiment de cet univers, on adore l'échange. Continuer à écouter et à encourager les gens qui font des belles choses comme ça. Merci beaucoup, super. Merci.